Hop à tous, ça y vient, on se retrouve pour l'acte 7 du build de Toxicraine. Alors c'est parti. On a déjà pris les quêtes. Donc première map, on doit trouver le fort, un peu le ce qu'il en reste quoi du fort. Et voilà. Et trouver un objet dedans. On va ouvrir les coffres, on sait jamais. Hop. Petit pack bleu là. Hop, hop, hop. Ah, le fort, mais il était là, non? Bah oui, je crois que c'est celui-là. Hop. L'objet est ici. Oh. Hop. Donc du coup, ici, on a fini. Voilà. Pour cette zone. Direction l'autre zone. Pas bleu. Ah. C'est ici que c'est tombé? C'est ce truc-là? Ok, on s'en fout. Ok. Zone suivante. Le waypoint. Donc on va à droite. On doit aller chercher la map de Maligos. Et après on va la faire. C'est une petite initiation au mapping, quoi. On suit la route, hein. Si vous voulez tuer, on tue. Hop. Oh. Hop. Voilà. L'entrée, c'est dans la crypte. On va monter vite fait les gemmes quand même. Tac 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 tac. On prend le waypoint. Et là, il faut chercher l'accès au deuxième level. Pas par là. Ah, il y a Nico. Y a Nico. Il y a le syndicat, mais on va pas le faire. Trouver, trouver. Par là. Peut-être par là. Hop. On dirait pas que je pouvais passer par là. Hein. Donc c'est pas par là. Je vérifie. Non, ouais, ça va être par là. Alors. Ah oui, c'est là. Hop, hop. Et là, on va chercher le morceau de map.
to that just yet. On va faire le l'abyssal. Oh, il va loin, hein. Il est parti où? Là-bas. Il est parti. Oh non, il y a le coffre, c'est bon. Hop, il y a le coffre, on l'ouvre. Qu'est-ce qu'on a? Des petites jewels. Du coup, on fait le tour pour récupérer ce qu'on a à laisser traîner. Et du coup, on va chercher notre morceau de map. On va tuer celle-ci, elle sent rose. Bien la rose. C'est pas par là. Peut-être par là. Bonjour. C'est par là. Oh bon, on avait pas en plus. On va récupérer ça. Hop. Portail. Pas obligé de rendre. On va directement là. Cette fois-ci, on va par là. Ah, non, on retourne pas dedans. Vraiment que je fasse un peu plus attention sur les coffres. J'ai tendance à revenir dans le pack. Alors que le but c'est quand même de s'en écarter. Bah là faut trouver. Faut aller juste derrière le truc, donc derrière le mur. Derrière le truc. Moi très bien Paris France. Hop, on va parler à Silk. À Silk. Jour, hop, le waypoint, là, map device, on y fout le morceau de Maligos, on active, et voilà, la magie s'opère, on a des portails, on rentre dedans, on active les gemmes, reprends pas le portail, sinon on va falloir en user un autre. Il tape électrique alors que c'est là que j'ai un peu moins de résistance électrique. Alors là, faut trouver les petits pontons. Ouais, désolé, je viens de lancer le jeu il n'y a pas très longtemps, donc il y a des petits frisottes. Frisottes, frisottis. What? Aïe. Syndicat, on s'en fout. On cherche l'autre ponton. Ah, il tape électrique, donc je le sens bien passer, hein.
Là, c'est surtout le saignement que je sens bien passer. Voilà, du coup, on a trouvé le boss. C'est ici. Bon, on va mettre notre point. Donc, on monte là. Là, on va aller chercher ça. Là, c'est le boss. Ne pas rester devant. Le Val de Blind qui lui met un petit peu de dommage KO en plus. Voilà, il réapparaît. On reste pas devant quand il lève le bras en l'air. Il va réapparaître. Il va nous faire pop un mob là. Voilà. Totem. Oh. Restons pas devant. Là, il est mort, donc le boss revient. On reste pas devant. Hop. On le voit charger son bras hein, en l'air, là. Tac, c'est fait. Racine. Portail. Du coup, on part à la Silk qui va nous donner une clé du bonheur. Là, on va par TP en face. Égal sortie. Oh, mais rentre dans le chemin. Donc là, le but, c'est d'aller là où on avait été sauvé Elena. C'est le même endroit. Du poison là. Du poison là. Paire de gants, trois couleurs. Là-bas, c'est là où il y avait le livre, c'est l'épreuve d'ascension qu'il faudra faire ultérieurement. Ah, ça en récupère. C'est quoi? Un staff, on s'en fout. Ça, c'est Lida out. Lida out. Hop. Parce que nous, il y a moyen qu'on passe par là. Non. Bon, on est obligé de faire le tour, hein. Obligé de tout tuer.
Tac, 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 tac. On court, on appuie sur le secret de passage. Hop. Changement de zone. Ah, on avance, hein. C'est pas un build qui se traîne, hein. Hop. Voilà, faut trouver la sortie. Hop. Voilà, ma sortie, tout simplement. Pour le waypoint. Et là, on doit... je sais plus si on... Ouais, il fallait venir là. On peut pas y aller là, donc ça va être l'autre côté. Va charger ces petits stacks de d'agonie. De virulence. Boss. Hop, un petit coup de verre. Attention au saignement. Face tank le boss. De toute façon, si on bouge, on a du saignement, donc on va mourir. Voilà, il est mort. Ça, c'est quoi? Une swarm? On s'en fout. On a le petit point à mettre. Ouf. Hop, on passe par le haut. On va par la Cine. Là, il nous a donné un autre dieu mineur. Hop, nord de la forêt. Waypoint. Attendez, on est où? Là, on a un objet. Non, on doit aller rendre les quêtes. Elena doit nous donner un objet. Voilà, lui. Paf. Point. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle nous donne de bien? Paire de chaussures. Ouais, c'est celle-ci. Yes. Yes. Ouais, non. Là, elle nous donne le collier. Là, on peut y vendre les petits items. Les chaussures, je les trouve pas géniales, mais comme il y a les trois couleurs, paf, ça se vend. Le point. Hop, on le met là. Je crois qu'on a là-bas à parler.
Flasque, armure, on va reprendre l'armure, on s'en fout, de toute façon on s'en servira pas. Lui il me reparle. Donc du coup on retourne à la forêt. Là, on doit trouver un hôtel pour interagir avec. Non. Attendez. Il y a un chemin là, c'est quoi ça? Je vérifie. Si, c'est bon. Ici, on doit y venir pour plus tard. Enfin, pour plus tard. On a deux trucs à faire ici. Récupérer les lucioles. Wow. C'est lui qui me faisait ça? Si je vais mettre des totems. Un truc qui me fait mal là. Ah, c'est ce truc là, d'accord. Oh, arrête de courir. Je sais plus combien on a de lucioles à ramasser exactement. Ah, un petit fantôme. Défonce. On le défonce. Par là. Pas par là non plus. Salut. Je vais finir par me tuer, moi, un rocher comme ça. Sais plus s'il y en a par là. Oui, ici, il y en a une. J'aime EP. C'est quoi? Oh, une armure. Ici, il faut y rentrer. Hop, on tue le boss. Attention, on reste pas devant. Ouh! Attention à hein, ces trucs là qui ça fait mal. Hein. Un sceptre, ouais, bof. Motherhood's
toujours un mineur. Du coup, on ressort, parce que j'ai pas fini les lucioles. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant? On a une chance. On a une orbe de chance. Ah, voilà. Ouais. Et on a une luciole qui doit nous rester par là. Non, pas par là. Ah! T'es coincé? T'es coincé? Hop! Est-ce qu'on a fini? Oui, délivreurs Luciole à Elena. Est-ce qu'on peut ressortir par là? Yes! Hop là, on ressort par la forêt. Donc du coup, il nous faut trouver toujours l'hôtel. Voilà, l'hôtel. Bon, on tue tout ce qui est autour. Hein. On clique dessus, ça va faire plein de trucs. Voilà, tout est mort. On se casse. Et là, on va chercher cette porte-là. Ici, vous pouvez aussi avoir l'initiation au temple. Il vous faudra trouver Alva. Je ne vais pas spécialement la chercher. Ça voudrait dire que j'en ai pas l'utilité pour le moment. Il y a eu la magie hier, ça. Là, vous le parlez, et là, vous faites entrée excursion. Alors, pour le temps, pour ceux qui veulent. Ah, attendez. Va y arriver, oui. Bon, je vous explique vite fait. Ici, vous avez la chambre, par exemple. Ici, c'est ici, ça va ouvrir. Et quand vous tuez un des deux, vous avez en dessous, en bleu, vous avez la ligne. Si vous le tuez, ce que vous aurez dans. Quand vous ferez le temple à la fin, vous aurez ce qui appartient au truc en dessous. Donc si je tue, par exemple, Zala, j'aurai un coffre qui contient des jewelry. Et si je tue l'autre, j'aurai des coffres qui contiennent des gemmes. Alors après, c'est selon votre choix ce que vous voulez dans le. Ce que vous voulez dans le temple, tout simplement. Petite mage d'hier fait qu'on les voit mieux, hein. Ouais, je tue tout, hein. Je suis en avance sur l'XP, donc 54, je suis 50. Donc j'en profite un petit peu. On va aller de quel côté par là? Oui. Oh, un petit ordre de grès, câble. Il y a le waypoint là-bas.
Là, faut trouver la sortie. Et on a un objet à récupérer pas loin de la sortie. Je pense pas que ça soit par là. Je vais aller vérifier juste là, mais sinon c'est que c'est pas bien par l'autre côté. Intéressant. Ok, donc c'était bien l'autre côté. On est reparti. On est reparti. Hop. Super objet. City de Val. Alors. Normalement, on vient là et on passe par là. Ouh, arrête de courir. Il y a Alva qui est là. Là, il y a le waypoint. On va tout tuer, hein. On parle à Yena, les Lucioles. Ça débloque derrière, on rentre. Elle se transforme en renard, elle fout le feu à la toile d'araignée et nous, bah, on peut passer. Et là, faut aimer les araignées. Y a plusieurs niveaux à faire. Hop. S'en prend pour les escaliers.
On arrive à l'étage suivant. Alors là, on sait pas vraiment par où il faut aller. Toujours tout plein d'araignées. Syndicat, on s'en fout pour le moment. Même si on aurait besoin de PEX. Hop. Hop, level 2. Sais plus combien il y a de level, hein. Comme ça, de tête, je peux pas vous le dire. On verra bien. Je pense qu'il doit rester encore un level. Ah, une petite régale orbe. Pas par là. Peut-être par là. Non, c'est pas par là. Attendez. Ça passe. On va activer la gemme. Portée est ici. On va faire le petit coffre. Et l'heure. Val impureté de la glace. Non, 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 petit corrompu, pas besoin. J'ai atterri en plein dedans. Alors, à quel côté? Ça va passer là aussi? C'est magnifique. Cinquante-deux pour une zone 55. On a rattrapé un petit level. Voilà, là, on est au dernier étage. On est au dernier étage, aux derniers étages. Oui, c'est ça qu'on dit, oui. Hein? Hop, alors, on va tac, chercher ça. Chercher ça. Et donc, du coup, ça me permet de passer avec ce point-là, pile poil la résistance. Voilà. Non. Oui, hop, on va tuer ça. Donc là, on arrive au boss final de l'acte, qui est une grosse araignée.
Ah, c'est pas par là. Pas par là non plus. Aïe. Bonjour. Voilà, elle est là-bas. Boss final qui est là. Donc, je vérifie que j'ai tout. Hop, ça on va identifier vite fait. C'est le coin. Ouais, bof. Alors, ce boss, il va popper d'un côté de la salle, là ou là ou là. Il peut venir des fois ici, dans un des quatre coins. Et il y a des moments donnés, vous voyez les trucs là, les espèces de pics qu'il y a tout autour là, bah ça va faire un laser et ça fait mal si vous restez dedans. Vous pourrez juste éviter de se retrouver au milieu. Et elle va envoyer des flaques, elle va faire pop des petites araignées qui vont faire des flaques, voilà, qui vont nous taper. Tout simplement. Voilà, faut pas rester devant. Avec la crash. Voilà. Et on reste pas dedans. Vent. Là, vous la cherchez. Elle est là. On reste pas devant. Hop. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Attention. Là, elle va aller bouffer le copain qu'on est venu sauver. Alors attention quand elle tire devant. J'ai oublié qu'elle faisait des grands lasers devant elle aussi. Donc on a un deuxième majeur. On parle à Yana. Et la sortie, c'est par là. Ce qui est la fin de l'acte 7. Parce que nous sommes arrivés à l'acte 8. Donc à l'acte 8, on va le faire. On fait l'acte 8 et à la fin de l'acte 8, on va arriver à l'acte à l'acte au bout de l'acte. Là, moi, ça sera le moment de PEX pour pouvoir acheter le stuff final. Je sais pas. Bah vous me direz en commentaire si vous voulez que je farme pour qu'on ait le stuff, je vous montre le stuff direct, ou si je continue jusqu'à l'acte 10, bah comme ça, avec le stuff que je récupère de temps en temps. Ou est-ce que bah ou voilà. Ou est-ce que je level up 68, 70 pour être tranquille. Donc dites-moi en commentaire et je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien.